Bonjour, aujourd'hui présentation de la planche électrique, planche à assistance électrique. Je me présente, je m'appelle Rhodes, je suis shaper depuis 35 ans, je surfe depuis une quarantaine d'années passées. Et aujourd'hui, on va tester un petit jouet. Nous allons brancher la batterie, un petit bip d'entrée, on ferme le clapet, un petit appui long, deux petits bips. La planche est prête à partir. Voilà. Elle se coupe automatiquement quand elle détecte qu'on n'est pas dessus. Un petit réglage au smartphone qu'on a fait avant de partir normalement. On a trois réglages, éco, standard ou full ride. You. Alors la planche ELEC a été créée, pensée par des petits montagnards qui avaient un papa qui a eu un gros accident de montagne, en alpinisme. Et qui a une épaule trop fatiguée pour ramer. Il pensait pouvoir amener le père au pic, au moins aller l'accompagner parce qu'il ne peut pas ramer. Alors on va faire une petite rame avec HK, un jeune surfeur de carcan qui va passer son brevet d'état. Voilà. Donc là vous voyez, je ne rampe pas, je suis avec une 8 pieds, je fais 85 kg. J'ai la rame d'un jeune homme de 21 ans. En autonomie, on a une bonne heure de surf en maxi. C'est parti! Le moteur s'est coupé dans la vague, car la vague est assez puissante. Donc c'est pas une planche de débutant, c'est fait pour un moyen niveau, quelqu'un qui sait déjà surfer, qui a des traumatismes. On fabrique aussi des planches pour les Andes. On fait du sur-mesure. Donc on a essuyé pas mal de critiques sur ce projet. Quand je vais à l'eau, planche de feignant. En attendant, moi je vois l'intérêt de la chose. Ça progresse, on fait participer des gens qui sont contents de se remettre au surf.